sau cum? Là, on paye. Non, mais ici, ça appartient à M. Koné. Quand M. Koné. De M. Koné. Non, mais nous, on est ici à longtemps. Non, mais je suis venu pour non. C'est que Koné, ça, mais il a quitté où même. Non, mais monsieur, nous, on est ici là, il y a longtemps, nous, on est ici. Nous, on ne connaît pas M. Koné. Il faut pas casser. Pardon. Je fais mon travail, je fais comment même. Non, mais on ne peut pas s'arranger. On paye. On ne peut pas s'arranger. Ça appartient à M. Koné. C'est quoi? M. Koné, là, nous le connaissons. Mais son problème, moi je connais, c'est après ça va être démoli ici. Là. Et quel est son problème? Il voulait de ma fille. Et comme ma fille ne veut pas, c'est après ça va être démoli. Il est démoli. Pardon, il faut essayer de voir. On va vivre ça à l'amiable. D'accord. Oui, d'accord. À ce délai là, c'est pas trop court parce que bon, ce sont des personnes aussi vulnérables, oui. On peut pas les chasser comme ça du jour au lendemain. C'est vrai. Mmh. Parce que elles exercent leur activité ici pour pouvoir au moins survivre. Laissons le temps au moins de trouver un autre site avant de les déguerpir. Ces trois jours là, c'est trop peu. Est-ce que vous ne pouvez pas un peu voir votre position? Non. Ça, je ne suis pas d'accord. Les trois jours sont maintenus. Moi, je vous ai dit 3 jours. Ça reste que 3 jours. Il faut trouver un site pour eux d'abord, avant de les... Mais qu'est-ce que ça, c'est pas mon problème. Le terrain m'appartient déjà. Donc, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. 3 jours, c'est 3 jours. Il faut leur dire ça. D'accord, c'est compris. Mais, à cause de vous, vous êtes mon bon petit. Je travaille bien avec vous. Je vais donner un délai. D'une semaine. Une semaine. Bien côté. Parce que là, ça commence à m'énerver. Une semaine. Ça peut aller? Une semaine. Bon, d'accord, une semaine, je vais les voir. Ok. Pour s'apprêter pendant une semaine. D'accord. Quitter le site. D'accord. Il faut qu'on continue. On progresse dans le travail. Pas de problème. D'accord. Une semaine, hein? Grâce à vous. Ah. D'accord, monsieur Koné. Merci beaucoup. Nous sommes à... okay. Bonne arrivée, monsieur. Merci, madame. Un peu d'eau. Oh, oui, c'est bon. L'eau, ça va. Mon problème, je vous ai confié. C'est comme un monsieur, c'est vrai. Oui, vraiment. J'ai tout fait. J'ai parlé à monsieur Koné. Mais le délai qu'il m'a donné là, il m'a dit que vous avez une semaine. Une semaine pour les guérir. Une semaine? Mais une semaine, là, on va partir où? Tu peux pas essayer de voir un peu, le voir. En tout cas, il n'y a pas. C'est pas ici seul, c'est moi qui paye son coin. Il peut pas avoir d'autres coins. Il va me laisser ici au moins. On est ici, on paye. Ouais. Moi, vous comprenez aussi que c'est le propriétaire, hein? C'est le nouveau propriétaire. Mais je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. Monsieur, on compte sur vous. Monsieur. Monsieur, pardon.
C'est ce que maman a dit là-bas. On va partir au pardon. Et à cause de Dieu, pardon. Pardon, il faut nous aider. Si on ne va plus manger, pardon. C'est notre seul point. Et maman, pardon, monsieur, pardon. Oh, si tu as fait ça là pour nous, là, hé, hey, monsieur, pardon, il faut nous aider. Pardon. Et si tu as fait ça là pour nous, là, Dieu va te bénir. De... Dieu va bénir le monsieur là même, pardon. Monsieur, pardon. Oh, madame. Ça va. Bon. Calmez-vous. Je vais m'y prendre. Corps et âme pour vous délivrer de là. Je vais régler ce problème. En tout cas, monsieur, Paul nous a procédé. Je vais régler ce problème. Bon. En tout cas, monsieur. Je vous couvre. D'accord, merci. Monsieur, merci. Maman, tu vas nous aider peut-être. On va nous aider. Et votre mère? Elle n'est pas venue aujourd'hui, c'est moi qui ai vu. Bon, je suis venu par rapport à votre situation. Vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Une si jolie fille comme vous a toujours ses problèmes. Donc, je suis venu pour vous sortir de là. Oui, ça me fait plaisir d'être. Vous êtes très belle. Merci, monsieur. Et je ne comprends pas comment une femme de votre genre puisse avoir toujours des problèmes. Mais je suis venu pour vous enlever de là. En tout cas, ça nous fait plaisir d'être. Ça nous fait plaisir. Sinon, moi, je suis un entrepreneur. Vraiment, c'est vous qui m'intéressez. C'est donc laquelle je suis venu pour vous voir aujourd'hui. Il vous intéresse. Avec votre courage, votre manière de vous défendre dans la vie, mon plaisir. Je veux que vous soyez mon époux. Vous êtes joli aussi. Vous êtes un joli monsieur. Je sais que vous êtes gentil. Si vous êtes mon mari aussi, là, ça me plaît. Je vous veux. Je le désire même. C'est donc pour laquelle vous voyez que je suis assez accueilli de vous ici. Après, là, vous, ce n'est pas parlé là. Vous êtes très belle. Merci. Vous avez une belle fille. Merci, monsieur. Je vous promets que si vous êtes mon épouse, je ferai de vous une femme respectée. Merci. Moi, je veux que vous soyez mon épouse aussi. Non, mais je vais vous enlever d'ici. Je vais vous enlever d'ici. Je vais faire encore des grandes choses même dans votre vie. Oui, ça nous fait. Moi, quand je te vois, je sais que tu es gentil. Ça me réjouit. Moi, je vous promets que si vous êtes mon épouse, je risque toujours de vous mettre dans le beurre. Je vais vous enlever de ce guépier. Ça me fait plaisir. Je le ferai. Je vais vous enlever d'ici. Je vais même renouveler même votre restaurant. Et puis même votre mère même à l'abri de tout besoin. Tu as fait ça là-bas aujourd'hui. Quand je le ferai, quand je dis je le ferai, je pense que je vais le faire. Parce que je suis un entrepreneur, je suis un grand entrepreneur ici. C'est sûr. Je vais vous laisser. D'accord. Ce sera ce soir. Ce soir. Ok. Merci, monsieur. Merci. Ok. Tu veux plus, elle ne veut plus revoir ce passé. C'est parti, c'est la porte. C'est quoi? C'est bon. Tapez.